Bonjour à tous mes Z-Warriors, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Alors, suite aux maintenances, divers problèmes de connexion, Dokkan Battle vient encore nous offrir 30 DS. En tout, ils nous ont offert mais vraiment une multitude de DS déjà pour les 2 ans. Je sais pas on a combien, mais franchement, c'est entre le truc pour le niveau 200, etc. Mais je crois qu'on a déjà dépassé les 200 DS en fait. Alors qu'on est à la moitié de la célébration. Il me restait une multi-invocation à faire sur le portail Goku SSJ4 pour avoir la multi-invocation gratuite, enfin vous voyez là, voilà. Ou sinon, j'ai le choix entre faire une seule multi-invocation sur le portail Vegeta, mais j'aurai pas de gratuite. Bon. Et il est pas fou l'animal, il est pas fou l'animal, vous savez très bien ce que je vais faire. J'ai invoqué sur le portail de Goku, ne serait-ce que pour essayer d'avoir un doublon de pas mal d'unités qui pourraient m'intéresser. Parce que bah c'est plus rentable de faire deux multi-invocations qu'une seule et j'aurais pas le temps de récolter 100 DS avant la fin de la promo qui finit dans 10 heures pour invoquer sur Vegeta pour avoir la gratuite. Donc c'est pas intéressant pour moi ici. Bien que bien sûr dans les faits j'aurais peut-être préféré avoir Vegeta comme ça j'aurais eu et Goku et Vegeta. Maintenant si j'ai un doublon de Goku je vais exploser, vous en doutez. Mais il n'y a pas qu'un doublon de Goku qui m'intéresse, il y a vraiment aussi d'autres unités. Et du coup c'est pour ça que je m'en vais aujourd'hui invoquer sur ce portail. Avant que la promo s'en aille tout simplement. Donc un doublon de Goku, je serais hyper content, vraiment ça le rendrait insane. Vraiment un doublon sur ce genre d'unité, ça change tout. Parce que bah plus il est fort en fait et plus le fait de monter ses stats vont le rendre plus fort encore en fait. C'est proportionnel. Black Goku Endurance, j'aimerais bien l'avoir, je l'ai pas. Pour moi c'est une très bonne carte. Franchement j'aimerais bien l'avoir. Il rentrerait dans ma team extrême et ça la rendrait un peu plus forte parce que là pour l'instant elle est un petit peu faible. Un doublon de Super Végéto, je dirais pas non non plus, parce que mon Super Végéto il est déjà bien pété, il a déjà eu des doublons, donc là s'il en a en plus, bah ça le rendrait encore plus fort. Un doublon de Gogeta, c'est peut-être bien le doublon qui m'intéresse le plus après Goku pour mon puissance, mais vraiment je kifferais avoir un doublon de Gogeta. Un doublon du Trunks, vraiment ça m'intéresse énormément aussi, parce que ce Trunks il est juste hyper puissant, j'ai déjà eu un doublon, j'aimerais bien avoir un autre doublon. Un doublon de lapin, non merci. J'ai déjà eu je sais pas combien de doublons. Je crois que si j'ai encore un doublon, bah ça y est, j'aurai tout l'arbre de complété. Je compte pas m'en servir de cette pan pour l'instant, donc ça m'intéresse pas trop. Un doublon du Kid Goku, je dirais pas non. Et puis voilà, c'est tout en fait. C'est tout au niveau du détecteur. Après, il y a d'autres unités dans le portail, bien sûr. Je pense que par exemple, je pourrais peut-être avoir le SSJ2 Gohanado que j'aimerais bien avoir. qui d'autre il y a peut-être moyen de récupérer? Je vois pas comme ça. En tout cas, voilà. Il y a quand même pas mal d'unités qui m'intéressent, du coup sur deux multi-invocations, il y a peut-être moyen d'aller chercher. J'ai toujours pas mis à jour l'objectif abonné, je suis un vrai connard. En vrai, on est à plus de 4300 au moment où je tourne la vidéo, donc je vous remercie les gars. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis on va bientôt atteindre les 5000 abonnés, il y aura un assez gros concours. Enfin, avec, il y aura un concours avec au moins un compte à gagner, c'est sûr. Le compte reroll à gagner coûte cher. Il coûte très cher, c'est un compte qui a été acheté sur DBZ Space, le compte est fucking énorme. Et donc j'espère que ça vous fera plaisir. Bon, de toute façon on n'y est pas, la vidéo sera tournée quand on atteindra les 5000 abonnés, mais ça va aller très vite je pense, grâce à vous. Pensez au petit pouce bleu les gars pour faire monter dans le référencement. Et, ah oui, et pour revenir sur la vidéo aussi Team Atem, j'étais très content des retours, je vous remercie les gars. Vous avez eu des très très bons retours, il y a des gens qui m'ont proposé des idées qui n'étaient pas débiles. Qu'est-ce que je voulais dire? Je peux pas répondre à tous les commentaires, les gars. Je commence à avoir du mal à répondre à tous les commentaires parce qu'il y en a de plus en plus. Mais par contre, je vous lis tous. Soyez-en assurés, je vous lis tous. Et en fait, pour essayer de me rendre la tâche plus facile, quand vous voyez un commentaire, genre quand vous voyez quelqu'un qui pose une question et vous vous posez la même question, au lieu de me reposer la question, mettez tout simplement un like sur sa question, sur sa question au mec, pour que ça monte dans les commentaires ou commentez sa question tout simplement. Comme ça, quand moi je vais répondre à la question, vous aurez tous les deux la notification. Ça me fait gagner un peu de temps. Et comme ça vous répond à tous les deux, tout simplement. Parce que si je dois répondre 5 fois la même question, des fois par vidéo, c'est un peu enquiquinant, hein, vous vous en doutez bien. Et je préfère mettre en place ce système maintenant, pendant qu'on est encore... ça va, on est moins de 5000, ça reste quand même jouable, hein, je peux répondre à tous les commentaires, mais c'est juste des fois quand je suis avec ma chérie le soir, etc. Elle comprend pas pourquoi je passe autant de temps sur la tablette à répondre. Elle aimerait bien que je profite un peu plus d'elle. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Bon, on est parti tout de suite pour les deux multi-invocations sur le portail de Goku. Du coup, après, il me restera que 8 DS. Mais bon, il y a une nouvelle event GTA farmée qui est sortie, etc. On va avoir de quoi se refaire pour le Tenkaichi Budokai. Allez, on est parti la première avec 6 capsules. Donc ça sent très très bon. Le Rainbow, donc là, ça sent vraiment, vraiment hyper bon. Je suis pressé de voir ce que ça va être. Il se transforme. Au niveau du son, ça doit être bon. Super Saiyan 2. Pas de Super Saiyan 3, mais franchement, on a eu 6 capsules plus Rainbow. Si on n'a pas de SSR, c'est scandale. C'est scandale. On commence avec Nail.
Ça fait longtemps que je l'ai pas eu, ce Naïla, en rare intelligence. Bon, franchement, Lucas TV, je suis pas content de t'avoir. Moi, ce que je voulais, c'est Goku SSJ 4, tu vois. La deuxième qui bat, putain, e-Force. Il est en train de forcer, les gars, hashtag Naïforce. Un Nei rare technique, celui-là, je l'ai très souvent, par contre. Ouais, non. On ne veut pas que... On ne te veut pas, on ne te veut pas, Nei, arrête de forcer. Chi-Chi en SR puissance. Je suis pas fan de la carte, je la trouve pas extraordinaire. Ça c'est Bertha en rare agilité. Ouais, non, je suis pas fan non plus. Ça c'est un sbire de Thalès, je me rappelle plus comment il s'appelle celui-là par contre. En SR agilité, pas fan non plus, ça va aller chez Baba. Tout ce que j'ai eu pour l'instant, ça va aller chez Baba. Ah oui! Oui, les gars, putain! Je suis un château de ouf! Non, j'y crois pas! Doublon, coucou SSJ4! Ah putain, oui! Les gars, je suis trop content, putain, le doublon Goku SSJ4! Oh là là! En plus, ils nous ont foulé, ils nous ont donné full orb et moi, je ne les ai pas dépensés parce que je me suis dit, au cas où, il y a un doublon qui tombe, je vais aller monter son orb tout en bas à droite. Oh les gars, oh, c'est le Goku SSJ4 le plus pété de la planète Terre. Non, j'abuse parce qu'il y a des mecs qui ont eu 4 doublons. Mais là, mon Goku SSJ. Oh là là! Putain! Non! Nice! Ah, cool! Trop cool, putain! Un petit pouce bleu, les gars, s'il vous plaît, pour le Goku. Un Goku SR Agilité, celui qu'on peut avoir au début. Oh là 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 là! Le petit SSR que j'avais pas qui tombe en plus, nickel! Je me rappelle plus comment il s'appelle, ce dragon-là. Peut-être qu'un jour il aura un rebirth. Je crois que c'est prévu qu'il ait un rebirth lui. Il me semble que c'est prévu qu'il ait un rebirth, donc je suis plutôt content. Ça fait un SSR en plus que j'avais pas. Il me semble qu'il aura un rebirth, donc ça fera un TUR en plus à terme. Génial. Oh là 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 là, les gars, oui! Nice! Le doublon du kit Goku qui tombe! Oui! Oh, la team puissance qui vient de se manger un up de ouf! Lui, j'ai déjà un doublon de lui, les gars, en plus. Donc là, avec encore un doublon, mais il va mettre des patates de ouf en Zaru, les gars, vous vous rendez pas compte? Je sais pas si ça change quelque chose quand il part en Zaru, en fait, parce que du coup. Ses stats de base, quand il a un autre Zaru, ça reste les mêmes. Normalement, ça reste 50 000 partout, je crois. Mais par contre, du coup, on peut lui débloquer des capacités. Donc, je sais pas si ça change. Mais de toute façon, au pire, ça le up méchamment pour quand il est pas en autre Zaru. Oh, nice, putain, les gars. Je suis refait. Je suis refait, les gars. Videl rare agilité pour finir. Oh, la multi. Oh, damn, bro. Damn. Ah, fait plaisir celle-là. Allez, on va aller faire la petite multi gratuite pour terminer. Et je pense que j'invoquerai plus sur le portail des stages 4. Maintenant, toutes les DS, je les coffrerai pour ce qui va arriver avec Dragon Ball Super. D'ailleurs, gros big up à l'opening. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, il y a sur Twitter un petit extrait de l'opening qui tourne avec les sons, les effets sonores de DBZ. Mon dieu, qu'est-ce que ça rend bien! Qu'est-ce que ça rend bien! Non, franchement, les gars, les effets sonores de DBZ plus une OST de Kikuchi derrière, c'était magnifique. Peut-être le bye bye, les gars, il s'est pas transformé. 3 capsules. Le bye bye, les gars. Donc, minimum 4 SSR en démulti invocation. Et ça fait plaisir, les gars. La chance est présente. Vegeta SR Endurance. Yajirobe en rare Endurance aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est Popovic, celui-là, rare technique. Je suis poussé de voir ça va être quoi le SSR, les gars. Oh, un petit Guanado là, ça serait bien. Pan en SR intelligence, ouais, ok. Frost, deuxième forme, si je dis pas de bêtises. Première forme, celui-là. En SR agilité. Ouais, pas convaincu. 10! 10 en rare technique. Bon, les gars, attendez. Il va tomber là, le SSR bientôt. Il va tomber parce qu'il reste pas longtemps. Il reste pas beaucoup de cartes, je veux dire. Qu'est-ce que je peux avoir de bien? Trunks, SR, agilité. Allez, un petit Goku encore. Comment il s'appelle lui? Goku, je crois, il s'appelle en rare technique. Jacko! Ah, oh, c'est le. Nice! Jaco Technique, enfin! Putain, je l'avais pas! Il est trop bien pour les Tenkaichi Budokai! Oh, enfin, il tombe ce bâtard! Je l'avais pas! Je l'avais toujours pas, les gars! Le compte, ça va faire 3 mois que je l'ai, je l'avais toujours pas, lui! Oh, nice! Oh, oui, le doublon du Trunks! Oh là là, putain, c'est trop de chat! Oh, nice! Mon Trunks qui vient de devenir pété dans les cieux aussi! Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, le Trunks qui vient de se manger un up du Turfu! Ah, c'est bon ça! N'hésitez pas à me dire, les gars, est-ce que vous savez si les Otsaru en SP10 leurs dégâts changent ou pas? J'en ai aucune idée.
Si en speed 10 et si avec l'arbre de compétences montée, leurs dégâts changent ou pas? Oh les gars, bah voilà, j'ai eu trop de chats. Franchement, je les aurais pas déjà tous eu, bah je les aurais eu au final, donc je suis hyper content. J'espère que la vidéo vous aura plu, les potes. Moi en tout cas, je me suis régalé et je vous souhaite autant de chance que moi pour vos futures invocations, pardon. Portez-vous bien, Jana les gars!